bienvenue, mesdames et messieurs. Merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous commentons, nous analysons les points saillants de l'actualité. Voilà encore aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de ce dimanche 31 mars 2024. Voilà quelques points d'actualité. Pour revenir sur. Commenter plutôt la vidéo, il y a la déclaration, il y a le secrétaire général, il y a IDPS, Augustin Kabuya, et puis Togolobela, il y a commenter sur quelques points où il y a un soulevé, où il y a un défrayé la chronique. Et on a aussi sur la déclaration, il y a homélie, il y a cardinal Ambongo, Fridolin Ambongo, alors il y a veillée de Pâques dans Notre-Dame, où il a déclaré qui. On a commenté sur ça, peut émettre quelques points de vue par rapport à l'actualité. Donc on a aussi après réaction accusation il y a Augustin Kabuya, il y a une réaction, il y a d'un côté il y a famille, il y a Joseph Kabila par rapport à l'accusation où bon mamoni que l'IDPS a sali contre Joseph Kabila, le Congo est en danger, l'Union européenne, les États-Unis va pondre une résolution Oyo Eza na en défaveur de la République démocratique du Congo. Dans cette résolution, Bazako imposer la République démocratique du Congo à respecter ma ordre, ma pési, ma recommandation ba sali na République démocratique du Congo. Si l'État va nous permettre, nous allons. Je vais vous étaler quelques points qui fâchent. La démarche union sur la République démocratique Azosala, c'est les plans diplomatiques. Comme je vous ai dit l'autre fois, ils ont prêté oreille à la République démocratique du Congo. Cela veut dire que leur complot. Déjà faut comme matérialiser. Est-ce que la République démocratique du Congo va en tout cas contrer ou tourner le dos aux États-Unis ou à télémer là toutes ces recommandations, toutes ces recommandations et une ribambelle de recommandations formulées pour la République démocratique du Congo, qui donne, qui favorise les Rwandais. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que nous allons en parler. Alors, voilà, mesdames et messieurs, nous commençons directement le point qui défraie la chronique. Alors, avant tout commenter, je vous laisse d'abord suivre quelques messages d'Augustin Kabou la face aux combattants de l'IDPS. Oyo, à méga qu'on peindre quelques situations. Il y a beaucoup, et puis nous allons revenir sur quelques points. Suivez, puis on se retrouve juste après. Batou, Bayoke Langate. Mais Naza ko expliquer bino na pourquoi les loboy. Bino ba tu boza na distraction. Ba infiltrer bino, ba ko tseli bino ba na kati na bino. Discours e komika ka, oh, oh, zamanda suka. Oh, oh, zamanda suka. Na na ifso ke zamanda suka. À quel moment
quel moment oyo nalobaka. Nazakoye, ce que je vous dis ici, nalobaka yango, ça marche les mots. Comment on a nabino batou? Et zandenge mokona ou en zambete. Félix Tshisekedi est victime d'une injustice de la mauvaise foi. Vous savez la nangai? Na pesa kibino exemple oyo. Nalobaki boy. Yo, ozana mbongo. Ozana mwasi nona bana. Bana mi balé bazako bela. Salaire non, ezaka $1,000. O vivaka non bien, na bana non bazan bonne santé. Mais ceux qui bana mi balé bazako bela. Malade oyo bazako soigner ngwe zako sila te. Train de vie nakati andako ko sala nini e ko changer. Lelo malgré bonne volonté, na bonne foi, ya tata mon conseil école. Là, je m'adresse à vous, les membres de mon parti, les membres de notre famille politique, Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes très distraits. L'ennemi est en train de nous infiltrer pour nous affaiblir. Bana soki mi balé bazako bela, ozwaka salaire à $1,000. Moyen o mené vindengo menakana bango tango bazan bonne santé ezate. C'est la même chose na situation tozana yango. Ndeko Tshisekedi mbongo nyoso ezako ya. Ezo kende kaka na makambo ko somba manduki pona ko sécuriser bandeko yo bazana est. D'abord pour votre information. Kabila ndenge na minute ndenge na zako yebisa bino. Akimamboka abimana ye azaka situation wote. Vous vérifiez na deuxième bon atika ta trace mon côté. Abimana ko bata ma puisque Gero ezako sale makuna, c'est lui qui est derrière. Vous avez la nanaï? Ngai na yeba ki yango. Sikoye ba to ba même sambla e ba oto zana ba ngwa bazako sala. Oh non, ba jeune ya fait perdre na zako e bisa bino ke ba lo di vérité té. Ba yebi makambo ngo nenge zako sale ma. Tokani malam. Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre. Raison pour laquelle Kobima naye a signalé la qui té que assez prononcé na immigration na biso abimana ye na nenga ya kobata ma ezako na nangai yango sikoyo nazongeli place wana bino bato boza koloba o Félix Tshisekedi azo résoudre problème ya bakongole te. Félix Tshisekedi a la bonne volonté de résoudre tous nos problèmes boza koloba ngai et le progrès social. Vous êtes très distrait. L'ennemi est en train de nous infiltrer pour nous affaiblir. Bana soki mi balé bazako bela, ozwaka salaire à $1,000. Moyen o mené vindengo menakana bango tango bazan bonne santé ezate. C'est la même chose na situation tozana yango. Ndeko Tshisekedi mbongo nyoso ezako ya. Ezo kende kaka na makambo ko somba manduki pona ko sécuriser bandeko yo bazana est. D'abord pour votre information. Kabila ndenge na minute ndenge na zako yebisa bino. Akimamboka abimana ye azaka situa wote. Vous vérifiez na deuxième bon atika ta trace mon côté. Abimana ko bata ma puisque Gero ezako sale makuna, c'est lui qui est derrière. Vous avez la nanaï? Ngai na yeba ki yango. Sikoye ba to ba même sambla e ba oto zana ba ngwa bazako sala. Oh non, ba jeune ya fait perdre na zako e bisabino ke ba lo di vérité té. Ba yebi makambo ngo ndenge zako salema. Tokani malam. Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre. Raison pour laquelle Kobima naye a signalé la quitte que assez prononcé na immigration na biso abimana ye na nenga ya kobata ma. Vous avez la nangai? Yango sikoyo nazongeli place wana. Bino bato boza koloba o Félix Tshisekedi azo résoudre problème ba congolais te. Félix Tshisekedi a la bonne volonté de résoudre tous nos problèmes. Vous avez la nangai? Bolo mon administration na discours ya o eza dernier mandat. Eza mandat sou. Nema yipso eza mandat sou. Je suis un homme.
Vous avez la nangai? Vous avez la mitema na bino boye. Situation oyotoza nango, c'est toujours Kabila qui est à la base ya Makambouane. Très bien parlé, mon général. Vous avez la nangai? Batunaye baloba, Kabila abimaki mo kolonine. Bakene na deuxième wana. Ayem sabino deuxième ya wapi, ou ya registra ki départ na ye. Vous avez la nangai? Ayeba ki makamunyo so ezako salem. Naebi lobi bakoloba. Oh non, eh kabuya ki na lobi. Je confirme ce que je vous dis. Kabila abimaki a signala ki même place tala. Ayeba ki bien ke batunaye bakosala makambwana. Ye tala nazako loba boy. Ndi pe se kuva. Siko nazako ye sabino vérité a likambwana. Ye Il dépense vivre. Kabila a sengela ki bananga wana. Et pas un dirigeant africain moko boy. Pour appuyer Bango avec tous les moyens logistiques et financiers. Vous avez la nangai? Bino beti bolongo na ba distraction na bino wana. Vota nango bien. Botala yango bien, nasna yeb sabino place oyo. Nazalaki, n'Afrique de l'Ouest. Bayambakanga, et pas président à Niger. Na wazalaki na ebonga, na wazalaki na. Bolandi Augustin Kabuya. Sa sortie médiatique. Ce qu'il a dit, après avoir pour remplir la mission dont le chef de l'État lui a convié. Boyoki ndenga za lobby. Pona ye azongeli ma communication par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Mais par rapport à tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il avait dit hier devant les combattants de l'IDPS, nous avons retenu quelques points. Il a parlé sur la sortie clandestine de Joseph Kabila. Tout bien en sortie clandestine. Sortie de Joseph Kabila na Mboka. Il a parlé sur les problèmes sociopolitiques et économiques. Alors, nous allons prendre un premier point. Oh, Lilo, ils ont défrayé la chronique. Donc, aujourd'hui, les points qu'on a énumérés, on a un deuxième point. Alors, alors que Joseph Kabila a mis 5 deuxièmes Bayeba. Donc, il a fait à sa sortie moko clandestin que battre à ses athées de soutiki Joseph Kabila a sa place si bon Joseph Kabila a sa Namibie Joseph Kabila a bima ki bon mais il y a une réunion et salamaki na niveau à Katanga pour savoir comment Joseph Kabila a bimi na Katanga. Il y a une réunion salamaki, j'avais dit ça je crois dans l'émission les quatre a bimi ndengenini. Est-ce que Joseph Kabila Zaki Batiaki est sous surveillance? Il ne fallait pas bima. Par rapport à la situation à l'Est de la République démocratique du Congo. Nengo Giste Kabuya Lobi, la situation Zana ya Est. L'insécurité Zana Est. Les coups qui se préparent. Joseph Kabila aussi fait partir dans quoi? Et l'appui à certains. Bah, dirigeant africain aussi qui nous soutient. Là, c'est Augustin Kabuya. Depuis que Batouba cadre a perdu, il a traversé, il a rejoindre les rebelles. Il y a AFC, il y a Nanga, il y a M23. On a compris que Joseph Kabila est rappelé sa pouvoir
akopesa akoloba au revoir te malobi à bientôt. Tu veux que discours, fait ce que ne fait la première mandat ou ça la désanté. Donc c'est là il a eu la kisa que non nanga a kende ko sa la rébellion na bénédiction à Joseph Kabila. Tout le monde dit comment les Congolais vont rejoindre la rébellion. Et Kabuya, à l'objet d'un discours de Boutikola, a confirmé où les Congolais vont nous barrer. Où tous les mbats vont analyser par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Kabila serré aussi derrière le mouvement Nyon, c'est tout ça, la insécurité, la connivence avec Rwanda, la Maramounion avec la communauté internationale pour renverser le régime à Félix Tshisekedi. Là, c'est Augustin Kabuya, l'a confirmé devant les combats. Est-ce que Kabila va retourner à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Et après cette déclaration, il y a Augustin Kabuya, les porte-parole ou la cellule de communication Joseph Kabila par la dame Barbara Nzimbi qui répond à Augustin Kabuya par rapport à ma déclaration de Salaki. Par rapport à Oyoye à l'Obaki, va retarder de réagir. Bango balobinini, la réaction, je vais vous lire le communiqué. Sorti de son pays en bonne et difforme, Babi Joseph Kabila a bimaki na voix moko ou est normal. Mais déjà, il y a un ma service et renseignement et il va quitter. Mais bon, ma bien bimi na voix moko normal sorti de son pays en bonne et difforme. Le président Joseph Kabila wana Barbara Nzimbi waza chargé à porter parole ou chargé à communication ya Joseph Kabila. L'ancien président Joseph Kabila n'a pas de comptes à rendre à l'IDPS et poursuit son agenda, notamment ses responsabilités académiques. Il rentrera dans son pays, donc ses responsabilités académiques à assumer. Donc Joseph Kabila Kenaki, à l'objet à Kenaki pour des raisons. Il y a Betty Dinaï. Donc, ses responsabilités académiques à assumer. Il rentrera quand il voudra. Et c'est sans aucune restriction. Donc, là, c'était la réaction. C'est l'île de communication dans les chapeauté dans Madame Barbara Nzimbi. Que Joseph Kabila a mis en bonne et difforme. Mais que les autres ont mis en voie normale. Maintenant, comment déjà m'a évité? Puis, il y a une raison à bêtise. Puis, à cause de ça, il rentrera. Quand il le voudra. Et sans aucune restriction. Donc, Kabila va retourner. Pour la bango, c'est que Augustin Kabuya a été chargé sur Joseph Kabila sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà la réponse. Il y a celui de la communication, il y a Joseph Kabila.
Bon, bah, le bien, que mais il y a une raison d'étude. Azali libanda pour des raisons d'étude. Kabila, Rosong, Anto, Rosong, Ate, Kimi, Asolo, Kimi, Te. Voilà, mesdames et messieurs, on a tout le monde qui est là aussi sur. Sur les plans social, économique, politique, là, nous ne serons pas d'accord avec le discours d'Augustin Kabuya. Non, nous ne sommes pas à l'ère où nous allons se plaindre dans le deuxième mandat. Nous avons encore au début. Nous avons un discours pour permettre les. Le nouveau gouvernement, baya conseil la bise sous ma ventir, y'a qu'au Yibak. Parce que non, les Congolais, bah, que nous sommes en guerre, les chefs de l'État est plus concentré dans ma métallique guerre, les chefs de l'État, mon gazo qui est en guerre, bah, au sala haut, tout le monde, bah, tout ça, là, bah, détournement. Donc, c'est pas dit que ce que l'on dit que non, exemple, là, il faut pas que vous vous dites que un papa qui touche 1000 dollars, où est difficile, il y a dans Congo, on a touché 20 000 dollars, mais que des enfants babeli, c'est ça la réponse à ce ça. Guerre à S, et qu'on a mis dans ma condition où il fallait, où les Congolais ne sont pas. Donc, guerre à S, c'est ça qu'on a empêché que non, les Congolais ne se retrouvent. Les Congolais ne sont pas liés à les Congolais la sécurité. Et ça l'a assuré par rapport à la guerre à l'Est. Sauf de comprendre, selon mon entendement, de dire les propos de Kabuya. Donc Kabuya veut nous dire que non, deuxième mandat, Oyo, les Congolais tous attendre de l'autre côté. Donc c'est tout ça dans la position à guerre. Oyo ba Congolais, faut tout supporter d'abord la guerre ici. Et voilà, place au lobby que la communication n'était pas vraiment bonne. Il y a qu'on transmettre à la population. Ce n'est pas le moment, il y a qu'on l'obama Makambouana. Il faut communiquer autrement. C'est par là qu'il divise et divise ba Congolais. Donc, on va comprendre que Zalanzala, une groupe Yabatu, qui va vivre en normal. Il fallait que Congolais se dise que non, le discours, non, nous allons, en tout cas, pour que les trains de vie, il y a une institution qui t'a. Mais, depuis que tu as 4000 dollars, tu as 3500 dollars, pour guerre, il fallait que ça ait un discours en marche. Ministre qui touchait 15000 dollars, a comme 6000 dollars. C'est ça, il fallait dire ça. Donc, on a eu comme un bon mot. Réduction en institution. Pendant que, Congolais, la situation est en Angola. Et l'ennemi qui est à notre face, a la facilité à manipuler les Congolais, surtout les Kinois, pour manipuler facilement. Va rejoindre Corneille Nanga. Va créer une rébellion à Kinshasa. Awa. Comme on dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Dans le point d'oreille. Voilà les dangers. Ce n'est pas des discours qu'on pouvait tenir dans ces moments. Au moment où les Congolais sont menacés dans un complot international. Je vous ai dit, dans l'annonce, comment l'Union européenne, les États-Unis, où il y a un complot, où il y a un outil qui a imposé la République démocratique, dit qu'il fallait que les Camerounais ne soient pas en train de se faire. Et ça, il Camerounais n'a pas dit. Oh, bah, ça, interdit na Congo, tout ça, la mire, t'es na Rwanda. Oh, bah, bien, na bah, ici, je fais ce que t'es, aken de consigner les accords militaires, t'es na Poutine. Oh, bah, ça, pour imposer que les Bani Rwanda, bah, se retrouvé na gouvernement, oh, ça, quoi, y'a. Quand on a bah, on fait ça, là. Oh, bah, ça, pour exiger. Oh, faut te négocier na Rwanda. To négocier na nanga, to négocier na M23. C'est ça les informations pour Koloba. À la place de nous dire que non, nzala soubine nani, on va pas comprendre que non. Non, non, non. Mais c'est les députés nationaux.
Non, 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 non. Il y a dessus une grande population, on va penser que 73%, Joseph Kabila, pardon, a fait Tshisekedi. Vous décevoir. Pendant que les États-Unis ont menacé dans le moratoire, fait Tshisekedi dans le moratoire, il y a peine de mort. Il faut penser, est-ce qu'il faut tout se soumettre à la recommandation, à la résolution des États-Unis et de l'Union européenne? Il faut tous avoir toujours ton dimarabango. Tout continuer qu'on a la bonne terre à Batouana. Ou il faut tout changer carte. Tout l'année que chef de l'État pèse encore chance. A outre ça, il a intervenu dans le monde. On lui a posé la question sur l'escarmouche, à moins d'escarmouche, ou à l'obara dans ma campagne. Il a répondu. Après ce privilège, il y a la diplomatie, il y a tout ce qu'il y a. Après, c'est au moins chance. Mais il n'a pas écarté faire la guerre dans Rwanda. Oh, les États-Unis, l'Union européenne, bah, Pékin, c'est aussi la guerre. Il faut que tu aies au Canada. Tu as 300 km, tu as cédé le Rwanda. Mais parce que préparer une bombe, il y a mon aîné, bah, Rwandais, bah, non, ce sont des Congolais, des réfugiés congolais dans Rwanda, 100 000, bah, yao, la seule Congolais. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Voilà, mesdames et messieurs. C'est ce que j'allais. Moi, mon quai. Pour que vous ayez ma réaction, bah. La zone dans la réaction à moi, comment les bazons réfléchir sur la situation république démocratique du Congo. Pendant que les Congolais toujours c'est le gouvernement, et il y a quand même qu'on mettre de l'ordre dans mon cabicolo. Les Congolais, c'est comme si on sent comme si il n'y a pas vraiment les autorités à Azate. Et là, on ne marche pas dans le Congo. On ne va pas patienter. Et aussi, il y a un homme qui beaucoup risqué les 73 comme à 37%. Si bon, le régime actuel, bon, qui n'est pas dans la politique, mon honnête, il y a ma sang. Voilà, mesdames et messieurs, le deuxième point, on a tout le sur, je crois que tout le sur Omélie. Il y a Fridolin Mbongo, cardinal, où il y a Lubaki na veillé de Pâques. Il a parlé sur la situation de Mbongo. Il est revenu sur l'adhésion de la Congolais à M23, na AFCC en Angle. A poussé la raison pourquoi les Congolais basali kokende bazo rejoindre Colonel Nanga et M23. Pour n'ayant le dit, les peuples abandonnés ne rêvent qu'au moment où quelqu'un viendra à son secours. Donc, Fridolin Mbongo a dit que non, les Congolais sont abandonnés par les dirigeants. Et la raison pour laquelle la lobby a mis posé qui question pour avoir six réponses dans la situation pour avoir une réalité. Oh, et question, Yemora se posa qui pourquoi rejoint-il les rebelles dans l'Est? Même à partir de Kinshasa, les gens traversent pour rejoindre les rebelles Nanga. Les M23.
bufide a mongo. Réponse na ya pesaki. C'est parce que ici à Kinshasa, nous continuons à poser des gestes qui blessent la majorité des Congolais. Les autres qui blessent la majorité des Congolais. Donc les autres, bateau bazan à pouvoir dire. Et ça fragilise la cohésion. Ça, c'est une conclusion. Il y a Cardinal Ambongo. Dans sa conclusion, ce qui t'a dit, commenter, t'as tiré quelque chose. Peut-être au moment nous allons constater que non, le cardinal Yemokaza a tergiversé. L'autre fois, il a fait sortie médiatique, il y a Kobenga, la classe politique, la société civile et la population de s'arranger derrière le chef de l'État pour faire face à l'ennemi de la République démocratique du Congo. Voilà aujourd'hui, à la veille, hier, à la veille, veille. Na veillé de Pâques pour les chrétiens au bas célébrer yango na omeli na ye, il a parlé sur la situation y a République démocratique du Congo. Donc par rapport ya ba dire na ndenga lupi wana ndenga a posé ma question ndenga ni ba kongole bazo kokende, c'est par rapport ba msusu baza bazo teni bango quantité ba msu bazana gâteau, voilà na su bazo partie bazo faire partie ba tunyo sote na gâteau national ba tunyo so bazo ya ko re baza vraiment mise à l'écart ba tunyo so bazo ko soucier bango te la gestion moka et voilà et tindi ba tuba kende ko rejoindre kaya ba rebelle et lui même comme je vous ai dit Kalubai va nous s'arranger de les chefs de l'État, tout même va même aider les politiciens, les religieux, les associations, tout le monde, les Congolais en général, derrière le chef de l'État, va faire sa mécanisme pour que tout éradique la situation de l'insécurité démocratique du Congo. Et voilà, aujourd'hui, il vient encore faire rétro-pédalage pour nous pondre des messages, Oyo, et ça a caractère, il y a pour soutenir. Les rebelles, il y a AFC, il y a M23. Voilà, mesdames et messieurs. C'est étonnant, c'est regrettable. Donc aujourd'hui, c'est tout ça la banalise. Aujourd'hui, on conclut que non, le cardinal a soutenir Nanga. A soutenir à côté d'un plan. Il y a qu'on déstabiliser, il y a qu'on renverser le pouvoir de la République démocratique du Congo. Cardinal Mbongo a commis un danger dans la République démocratique du Congo. Comment il peut rebiffer comme ça? Le discours où il y a la position, le discours qui va mettre le pays en danger. Discours où ils ont poussé les Kinois pour qu'ils ne rejoignent, pour soutenir. Les plans, il y a Colin Nang, na AFC, na M23, Alliance na Bangwana Basal. Voilà, c'est ça. Sans tout comprendre, c'est dans ce sens que Frédéric Mbongo a lancé moi ballon, bon à Kinois, a lancé na ba Congolais général, sauf qui va couper qu'on rejoindre Colin Nang, na AFC, na M23. Pour une grande population où certains groupes y a battu, mais ça n'a qu'à la majorité. Il fallait remettre tout le monde autour y a pouvoir. Il fallait tout le monde va se retrouver. Il fallait tout le monde va s'en accater à quota. Et voilà, il pousse les Guinois va rejoindre Nang, va soutenir Alliance AFC et M23.
Poko la cohésion nationale régime ebomiang. Régime ebomiang. Voilà les dangers, même les dangers à message. Il y a Augustin Kabuya. Voilà. Aujourd'hui, comme j'ai dit là, que l'Église catholique, le cardinal Ambongo constitue un danger à Kinshasa ici. Si le régime actuel, quelque chose pourrait koleka awa, pourrait passer dans le discours à Marco. Donc un discours oyo aza ko sala la promotion ya plan ya bananga comme nanga bientôt là nous serons à Kinshasa. Nous allons renverser le pouvoir. Et quand vous prenez le discours ya cardinal, vous prenez la résolution aux Nations Unies, Union Africaine, Bazuili RDC. Oyo bazo ko imposer RDC photo sala yango, faut faire ce que ya sala yango. Ça sera grave. Ça sera grave, mesdames et messieurs. Voilà. Mesdames et messieurs, quelques points d'ulingali to pesa pe mo makanisi to commenter, to analyser. Et je crois que c'est à vous aussi. Cette opportunité, ya Rolanda biso partager, liker la vidéo. Merci d'avoir regardé, vous avez belé ya Rolanda. Tokutani prochainement dans numéro sous. Portez-vous bien. Bye bye.